there. That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell you, I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bprd.centerblog.net, vidéo dédiée au deuxième et dernier, malheureusement, numéro de Abe Sapien, The Devil Does Not Jest. Faut pas déconner avec le diable parce que lui, il ne rigole pas. Donc, couverture toujours par Dave Johnson qui nous sert ici une sorte de petite relecture du The Thing de Carpenter version Abe Sapien. C'est juste magnifique, c'est très très beau à regarder. Toujours scénarisé par Mike Mignola et John Arcudi, l'audio gagnant, et dessiné par le nouveau venu James Aren. James Aren que l'on retrouvera dans pas très très longtemps sur la série BPRD, puisque ça a été officialisé donc par Scott Ali dans la rubrique courrier des lecteurs de ce numéro. James Aren reviendra dans le Hellboy Universe et sur BPRD. Voilà, on le reverra sur BPRD et les premières rumeurs parlent même du prochain arc. C'est-à-dire que James Aren, normalement, si on en croit les rumeurs, devrait dessiner la suite de BPRD Hell on Earth Russia et que ça s'appellera BPRD Hell on Earth The Long Death. Une mini-série dédiée exclusivement au devenir de Johan Kraus dans l'équipe du BPRD, surtout dans la série BPRD. Donc si ça venait à être confirmé, bah ça serait juste énorme, puisque Tyler Crook vient tout juste d'arriver sur la série. Jusqu'à maintenant, il n'a dessiné qu'une mini-mini-série, donc deux numéros de BPRD Hell on Earth Monsters. Deux numéros, ça fait léger, il s'est fait les dents là-dessus. Et on avait longuement parlé où je disais que c'était vraiment deux numéros qui servaient à rien, si ce n'est à permettre à Crook de se faire les dents sur BPRD et d'acquérir un minimum de confiance sur cette série avant de commencer les choses sérieuses. Donc les choses sérieuses s'appellent BPRD Hell on Earth Russia. Donc là on en est au moment où je fais cette vidéo, on en est au deuxième numéro. Il en reste encore trois à sortir, que le dernier devrait sortir en janvier 2012. Et donc la suite normalement devrait être dessinée par quelqu'un d'autre. C'est assez énorme. Ouais, pour le coup, franchement, j'ai envie de dire, c'est assez énorme. Alors, est-ce que c'est parce que The Long Death sera basé sur un personnage en particulier, que, a priori, d'après les premiers dires, Johan Kraus sera plongé dans un monde qui n'est plus le nôtre, sera dans un autre espace-temps. Donc, du coup, est-ce qu'il faudra à ce moment-là une autre patte graphique pour vraiment appuyer sur le changement de dimension? Je sais pas. En tout cas, c'est la première idée qui me vient en tête. Ou est-ce que tout simplement, Tyler Crook, lui arrivait un truc qui fait qu'il devra s'absenter pendant 6 mois de sa planche à dessin? Je ne sais pas. Wait and see, dès que j'ai plus d'informations, je vous les communiquerai via le blog, bien sûr. Mais en attendant, voilà donc la dernière actualité de James Aren au sein du Hellboy Universe. Et donc, ça fera super plaisir de le revoir parce que ce gars dessine très très bien et surtout a un sens du découpage à toute épreuve. Au-dessus, je le dis souvent, c'est le soleil. Donc, alors, on avait quitté Abe Sapien en très 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 mauvaise posture puisqu'il s'était fait agresser par une espèce de grosse bonne femme. Avec les deux yeux les yeux qui se disaient merde à l'autre. On terminait là-dessus, donc sur Abe Sapien en très 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 mauvaise posture. Donc on reprend au sein du BPRD, donc avec un Gugus que l'on a vu donc dans The Albisol Plane, Salvatore, si j'ai pas de bêtises, il s'appelle comme ça, il s'appelle Salvatore, le quota Erasmus du BPRD, donc un agent extérieur étranger au BPRD. Donc on reprend sur lui au sein du BPRD et là apparaît Hellboy puisque voilà, donc Broom n'a plus de nouvelles de Abe Sapien et va demander à Hellboy d'escorter Salvatore afin de savoir ce qui se passe. On n'a plus de nouvelles de Abe, c'est pas normal, on va aller récupérer notre gars. Donc tu vas suivre Hellboy, il va t'accompagner là-bas, donc si jamais il se passe un pépin, t'inquiète, il y a Hellboy avec toi. Donc juste après, donc maintenant on sait que les secours arrivent,
que la cavalerie arrive. Donc on revient sur Abe. Donc Abe qui, après s'être pris une grosse mandale de la part de notre grosse bonne femme, tout droit sortie de l'imagination de Sam Raimi, donc réalisateur de Evil Dead, donc se retrouve au fond de cette énorme cave avec donc l'espèce d'énorme et gigantesque démon qui occupait donc la grosse partie de cette cave. Donc on voit le cadavre juste à côté. Donc Abe Sapien qui se retrouve donc en train de se faire grignoter par ces espèces de petits clébards, on dirait espèce, je sais pas, du pu avec des pattes, enfin c'est assez particulier. Donc Abe se fait réveiller par un fantôme, par un esprit. L'esprit indique à Abe que s'il veut s'en sortir, il faut qu'il le suive parce qu'il est en train de perdre tout son sang et qu'il risque bientôt de mourir. Et que surtout, s'il veut savoir et comprendre ce qui s'est passé dans cette maison, il doit le suivre, l'accompagner et l'écouter. Et donc à partir de là, on va entamer une sorte de virage à 90 degrés, dans le sens où en fait, la mise au point, voilà. C'était son rythme ultra soutenu, scène d'action à profusion, et surtout qu'on prenait 3-4 pages, histoire d'expliquer vraiment brièvement pourquoi Abe Sapien devait se rendre dans cette maison. Donc on n'expliquait pas l'histoire, hein, on expliquait juste le début, pourquoi est-ce que Abe Sapien doit se rendre d'un point A à un point B. Et à partir de là, on s'embêtait plus de rien. On balançait Abe Sapien dans une histoire où on comprenait rien du tout, on savait pas ce qui se passait, et Abe Sapien bah, du coup s'en prenait plein la gueule, il arrive dans un lieu, il comprend pas ce qui se passe, il comprend pas ce qui lui arrive, et c'est ce qui faisait vraiment la force de ce numéro, c'est que ça bougeait tout le temps, il se passait plein de trucs, on allait vraiment de surprise en surprise parce qu'on savait pas ce qui nous attendait en tournant la page, et on ne savait pas ce qui nous tomberait dessus en tournant la page, au même titre que Abe Sapien, on savait pas ce qui allait lui arriver en tournant la page. Et donc jusqu'à la fin, on se prenait sa grosse mandale, il tombe au fond de cette énorme cave, une espèce d'énorme gigantesque démon, donc j'ai déjà dit. Et donc on revient donc dans ce deuxième numéro à quelque chose de plus calme, de plus lent, de plus explicatif, mais on y gagne, et c'est ça qui est très fort, parce qu'on pourrait se dire, bon, on explique les choses maintenant, donc ça va être plus lent, ça va être plus chiant. La deuxième partie du récit, voilà, il se passe pas grand chose, dommage, on perd en rythme, tout ça. Non, on perd en rythme, c'est sûr, jusqu'à la fin, ce qui, vous en doutez, il va forcément y avoir un combat final. Donc on perd en rythme, mais on gagne un côté onirique à l'histoire. Une sorte de côté pas stratosphérique, pas du tout, mais onirique. Une sorte de petit côté onirique, graphique. Et je trouve ça merveilueux, c'est juste génial. Donc et ça commence dès la quatrième page, où en fait on voit le gars nous explique que Abe Sapien a perdu beaucoup de sang, et que là du coup en fait il est en train de délirer, et à partir de là, donc regardez la première case où on voit le démon, voilà, c'est on va dire donc d'un trait réaliste, les couleurs sont normales, voilà un démon. Bon, il y a des espèces de stalactites là qui traînent partout sur la gueule, mais on peut s'imaginer qu'il y a eu une inondation d'eau, je sais pas trop quoi, que bref. Bref, voilà, que le machin était plongé dans un truc, bref. Et juste après, hop, on revient, regardez, les couleurs du point de vue de Abe ont complètement changé. Les yeux du démon se sont, on va dire, rallumés, ravivés, regard de Abe. Et Abe, à ce moment-là, en train de délirer, vraiment transporté dans un autre monde, dans un autre univers. Et on voit notamment au niveau des escaliers, regardez. Du point de vue réel, c'est droit, et du point de vue de Abe, la case juste après, regardez, ça prend vraiment un côté, mais onirique. J'insiste sur les mots, et c'est vraiment génial. Donc du coup, on se retrouve transporté ailleurs. Et c'est vraiment génial. Et transporté ailleurs, bah, où ça? Bah, dans l'esprit, ou plutôt dans l'histoire de ce fantôme qui est venu réveiller Abe, et qui est le fameux tonton dont je parlais dans le premier numéro. L'oncle qui était venu chercher Abe Sapien. Et donc en fait il nous explique son histoire, donc tout simplement l'histoire d'un pauvre gars qui s'est cru bon de faire joujou mumuse avec des forces qui ne peuvent pas être contrôlées par un être humain lambda, bah, des forces démoniaques, sataniques, des forces obscures. Et bah, il a vraiment joué, à vrai dire, avec le feu, puisqu'il s'est mis en tête d'invoquer un démon. Donc là regardez, donc ça avait été balancé dans l'extrait par Dark Horse, mais vraiment page, vraiment découpage très très joli. Donc il invoque un démon avec sa femme, il attendait un gosse, mais il explique que voilà, il n'était pas heureux dans la vie, il s'est lancé dans le
Parce que c'est un gars qui écrivait beaucoup de bouquins sur le satanisme, la démonologie, tout ça, et il s'est dit bah pourquoi pas essayer, pourquoi pas voir où l'étendue de mes connaissances peuvent m'emmener ou ce que je peux faire avec toutes ces connaissances. Il joue avec le feu, comme je le disais. Il invoque un démon, mais voilà, en même pas 2 secondes, il perd le contrôle de la situation. Et donc le démon sort et invoqué par une espèce de d'énormes trous, sort donc littéralement des enfers et commence donc à perdre les plombs entre guillemets quoi. Il se retrouve enfermé dans une cave, il comprend pas ce qui lui arrive. Donc il commence à péter un câble et à casser tout ce qui se trouve autour de lui. Et malheureusement, donc éclate le plafond, tombe donc dans la pièce qui est située juste au-dessus, et tombe sur la femme de notre apprenti sataniste. Donc à partir de là, donc le gars nous explique qu'avec son bouquin, parce qu'il a une sorte de Necronomicon, comme quoi vraiment on appuie vraiment sur les références à Evil Dead. Alors, volontaire ou pas, j'en sais rien, mais on appuie vraiment sur les références, c'est assez savoureux, comme je le dis souvent. Donc là, notre gars sent que la situation est en train de lui échapper, et à partir de là, se dit donc j'avais qu'une seule solution. Mais cette solution, c'est que malheureusement, je ne pouvais ne faire, parce que comme c'est les forces du mal, tout ce qu'il pouvait faire, c'est non pas le faire repartir le démon dans le monde des enfers auquel il l'a arraché, mais tout ce qu'il pouvait faire avec ce bouquin, c'était de, et là il le précise, tout ce que je pouvais faire, c'était de l'attraper, de le piéger, de le faire souffrir et de le tuer. Et c'est mis en image. Et à ce moment-là, donc, toujours dans l'idée vraiment du virage à 90 degrés, donc regardez, voilà, tout ce que je pouvais faire, c'était le capturer, donc on voit le trou qui se referme sur le démon, de le faire souffrir, puisque du coup donc le démon se retrouve piégé entre deux dimensions, et de le tuer. Et là on voit cette espèce d'énorme implosion, on voit le démon qui explose de l'intérieur. Et à ce moment-là, on est surpris à se dire, le pauvre. Le pauvre, on voit cette espèce d'énorme démon tout en muscles et en chair à vif avec ses cornes, vraiment, mais vraiment, il n'a pas une gueule de porte-bonheur, le truc, on sent. Et à ce moment-là, on ne peut que avoir de la peine pour lui, tout simplement parce que on transpose 2 secondes. On se dit, voilà, le démon est en enfer. Il est tranquille en enfer, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire, il est tranquille, machin, tout ça, il fait son petit business, pépère avec ses potes et tout. Et d'une seconde à l'autre, il y a un Gugus situé juste au-dessus, dans le monde des hommes, qui l'invoque, donc il est invoqué, il arrive sur Terre, il est dans un endroit qu'il connaît pas du tout, donc il devient fou, il commence à tout taper, à dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et à ce moment-là, il se retrouve piégé, donc bloqué au niveau de la taille, peut-être même que ça a été coupé en deux, donc il souffre, il meurt. Bah là ouais, du coup là forcément, on se met à sa place, surtout que au niveau de la mise en page, c'est vraiment fait pour que on se projette au niveau du démon, qu'on se pose vraiment la question de savoir, mais en fait, l'enfoiré, c'est qui dans l'histoire, quoi? Est-ce qu'on doit plaindre le démon, ou est-ce qu'on doit plaindre cette espèce de con? Parce qu'il le dit lui-même, hein, il fait, I was a fool, j'étais un idiot. J'étais un idiot vraiment complet de croire que je pouvais maîtriser ces forces-là, de ce mec qui a joué avec le feu et qui se retrouve à emprisonner, faire souffrir et tuer une créature qui ne demandait rien, si ce n'est à se balader dans son monde et à s'occuper de ses propres affaires. Et donc c'est quelque chose de vraiment intéressant et qui pousse la réflexion et ça apporte une dimension supplémentaire à ce numéro et à cette mini-série du coup qui est beaucoup plus complète qu'elle ne pouvait le laisser penser dans le premier numéro. Le premier numéro était vachement balancé action et compagnie, ce deuxième numéro est plus profond. Et c'est vraiment quelque chose de très complet et c'est ce qui fait la force de cette mini-série qui est en tout point mais excellente. Donc juste après, on revient donc sur la femme qui était donc dans la cuisine, parce qu'elle s'est fait donc griffer par le démon lorsqu'il avait cassé le plafond. Et donc là, il explique le gars qu'il n'avait pas la force de soigner. Tout ce qu'il pouvait faire avec ce bouquin, c'était détruire, faire mal, tuer, tout ça. Il ne pouvait pas soigner, donc sa femme s'est retrouvée en train de pourrir sur place, vraiment empoisonnée par ce démon. On voit son bras qui est en train de pourrir, de gonfler, d'être putréfié. Vraiment un truc dégueulasse, vraiment, je suis désolé d'insister, mais ça fait Evil Dead jusqu'au bout, jusqu'à la dernière case, on sent vraiment le spectre de Evil Dead flotter au-dessus de tout ça. Donc sa femme commence à ce moment-là à ça devient une créature qui n'est plus notre monde, transformée en espèce de monstre, zombie, tout ça. Donc il explique donc qu'il perdait le contrôle, donc il a commencé vraiment à perdre le contrôle de sa propre vie à ce moment-là, il a eu la monnaie de sa pièce, sa femme a commencé à se retourner contre son fils, où elle est prisonnière de son propre corps, on ne pouvait rien faire pour lui, donc là on voit Abe en train de lire
le journal du pauvre gars. Ed qui, au passage, j'ai oublié de vous le préciser, a récupéré le shérif. Le shérif qui s'était fait blesser par, bah, du coup, bah, cette grosse bonne femme. Puisque donc, oui, donc la grosse bonne femme qu'on voit apparaître à la fin du premier numéro. Donc on nous explique qu'en fait, bah, c'est la femme du gars qui occupait les lieux et qui a fait joujou avec le... avec les forces du mal, avec cette espèce de Necronomicon. Donc, Abe qui continue de se balader dans la baraque, mais c'est Evil Dead jusqu'au bout. C'est un truc de fou. Evil Dead, c'est un gars, je suis obligé de faire la grosse parenthèse, parce que là, c'est la fin de la mini-série. C'est l'histoire de Evil Dead, c'est quoi? L'histoire de Evil Dead, c'est un espèce d'archéologue qui a découvert le Necronomicon, le livre des morts, dans je sais plus trop quel pays. Et qui, avec sa femme, décide de se retirer au fond des bois, dans une cabane. C'est un film d'horreur, hein, années 70, hein, le scénario, ça vole pas haut. Hein. Il décide de se retirer dans des bois, dans une cabane, afin de décrypter, d'analyser le Necronomicon. Et à partir de là, il a le malheur d'invoquer des forces qu'il ne peut contrôler. Et ces forces-là hantent les bois, espèce d'esprit démoniaque, et tuent tout le monde. Et prend possession donc, du corps de sa femme, qui s'appelle Henrietta, donc, que vous avez vu en extrait dans la première vidéo. Et donc cette grosse bonne femme s'en prend donc du coup au prochain locataire de la baraque, donc une bande de jeunes venus passer des vacances dans cette cabane qui ressemble strictement à rien, qui fait plus flipper qu'autre chose, perdue au fond des bois. Et bah ben là c'est exactement la même, sauf que la cabane est devenue une maison en bord d'un lac. La forêt a été remplacée par un lac, la cabane par une maison, l'archéologue et sa femme a été remplacée par un écrivain et sa femme, et la cave de la cabane avec la grosse bonne femme qui donc se cache dedans, bah, a été remplacée par une cave énorme avec un énorme démon à l'intérieur. Voilà. Dans Evil Dead, le démon, on ne le voit pas, si ce n'est à la fin du 2, et dans ce numéro-là, le démon est visible dès la fin du premier numéro, caché au fond de la cave. C'est vraiment volontaire ou involontaire, mais c'est, voilà, il y a le spectre, comme je dis, le spectre d'Evil Dead, qui survole tout ça. Donc, on voit Abe Sapien tenter, avec le shérif, de se barrer de là. Donc, ils sortent pour reprendre le véhicule avec lequel ils étaient venus. Mais voilà, le véhicule est en... Bah, on va pas dire en morceaux, mais il n'en reste plus rien. Il est complètement aplati. Il y a un bulldozer qui lui est passé dessus. Donc, Abe Sapien se dit à ce moment-là, bon, je vais devoir retourner dans la baraque, essayer de trouver une solution pour m'échapper. Et... voilà-t-il pas que réapparaît notre espèce de crâne flottant volant. Et en fait, ce crâne-là, bah, c'est tout simplement l'esprit de notre démon qui a pris possession du corps de la femme de feu l'écrivain. Donc à partir de là, commence le combat final entre Abe Sapien revenu dans la maison pour tenter de trouver, je crois, c'était des médicaments pour essayer de se soigner, de soigner son pote. Et bah voilà, le combat commence. Donc crac, la bestiole lui tombe dessus. Donc là, pareil, on retrouve le dynamisme de la mise en case, mise en page ou mise en scène, appelez-le comme vous voulez, de James Aren, ultra efficace au possible. Ça canarde, l'espèce de truc lui rentre littéralement dedans. Regardez le dynamisme du truc. Le propulse par-dessus des escaliers, ou plutôt lui fait traverser littéralement les escaliers. Donc Abe Sapien se retrouve au pied de l'escalier avec le shérif. Regardez le soin apporté aux détails et au dynamisme. L'énorme bestiole lui tombe dessus, regarde Abe Sapien, regarde tous les impacts de balles, le truc vraiment incroyable. Abe Sapien va reprendre la hache qui avait servi à tuer le pauvre petit-fils ou petit-neveu, je sais plus trop quoi, de l'écrivain, et s'en va mettre une énorme torgnole à notre grosse bonne femme. Donc bim bam boum, coup de hache dans la tête, lui arrache la moitié de la tête, le truc est toujours pas mort. Donc là on revient sur Hellboy et Salvatore. Regardez la petite bagnole avec Hellboy. Donc Hellboy dans une Smart, ça donne ça. c'est assez jouissif, c'est très marrant, c'est très mignon. Ça a donc le mérite que je montre ça. Et en fait, on voit Salvatore qui dit à Hellboy, merde, j'espère que Abe n'a rien et compagnie. Et Hellboy explique à Salvatore que Abe est un grand garçon, qu'il n'a pas du tout à s'en faire, et que quand ils arriveront, bah, ils verront que Abe va bien, quoi. Que malgré tout ce qui peut arriver à Abe, Abe finira toujours par s'en tirer. C'est pour ça que Hellboy est calme, zen, contrairement à Salvatore. Donc là, ils arrivent sur les lieux du crime. Donc Hellboy sort de la voiture. Donc termine son discours sur le... Donc il termine par « Crois-moi, j'ai entraîné Abe. Ce type est préparé à tout. »
Tout simplement. Il est préparé à tout. Il a été entraîné par moi. Ce que Abe expliquait lorsqu'il sortait son espèce d'énorme machette du dos, il expliquait qu'il avait été entraîné par Hellboy et que suite à ce qui était passé dans la maison des Cavendish, dans les chermes de la destruction, Hellboy avait entraîné Abe Sapien à se préparer à tout type de situation, soit prêt à tout. Et ça explique donc pourquoi est-ce que Abe Sapien est surarmé à ce niveau-là. Donc on reste toujours dans cette petite idée, hein. Vraiment centré sur le fait que Abe Sapien en solo, vraiment, ça peut le faire, ça peut fonctionner. Un petit peu, ça prend un petit peu à contre-pied le Abe Sapien, la noyade, dessinée par Jason Sean Alexander, où on voyait vraiment Abe, à un moment, en introspection, on voyait cette espèce de complexe d'infériorité face à Hellboy, où Hellboy, en solo, il n'y a pas de problème. Vous envoyez Hellboy quelque part, il reviendra le bonhomme. Même s'il affronte 150 créatures, 3 démons, même un dieu, il reviendra. Il reviendra avec le cigare au coin du bec, l'air de dire, bon bah, pas de problème, moi j'y retourne quand vous voulez. Et la noyade nous montrait la première mission solo de Abe Sapien, et on voyait, il y avait vraiment toute une partie de l'histoire qui était vraiment centrée sur la psyché de Abe Sapien, où on voyait vraiment, mais complexé, vraiment le gros complexe. Il disait, il faut impérativement que je réussisse. On voyait même sur une case, lorsque Abe était en plein délire, on voyait l'esprit de Hellboy apparaître et dire, voilà, j'en étais sûr, Abe, t'as un bon à rien, tu peux rien faire tout seul. On voyait Abe vraiment, mais énervé à ce moment-là, vraiment, mais énervé, l'air de dire, c'est bon, je suis plus un gamin, t'as plus à t'occuper de moi, je peux très bien moi aussi briller de mon côté. Une sorte vraiment de complexe face à Hellboy. Et là, ça prend vraiment ce numéro de The Devil Does Not Jest, ou plutôt The Devil Does Not Jest dans son ensemble, prend vraiment la noyade à contre-pied là-dessus, où on voit vraiment ce côté bourrin, préparé, vraiment l'armée à lui tout seul que représente Abe. Donc bref, donc là on voit, je vous avais laissé sur Hellboy qui sort de la voiture face à la maison, donc éclairé par les phares, joli travail d'ailleurs sur la couleur, je tiens à le préciser, hein, Dave Stewart encore une fois et toujours, vraiment le travail sur la couleur est vraiment magnifique, regardez Abe Sapien, regardez, entouré par du rouge, et la rage symbolisée, la rage d'Abe Sapien symbolisée par la couleur, c'est vraiment très 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 joli. Donc Abe sort, et à ce moment-là, on est dans un film. On est dans un action live movie, on est vraiment dans un film. Là, dabam, il y a Abe Sapien qui est embarqué, entraîné par cette espèce de grosse bonne femme qui traverse littéralement le mur de la maison, qui tombe au pied de Abe Sapien. Donc là, la bataille, au pied de Hellboy, pardon. La bataille reprend de plus belle, les coups de hache pleuvent, et Abe Sapien donc, trouve le point faible de cette créature, donc, qui est en fait la base de son coup, parce que Hellboy a décapité la bestiole, mais la bestiole est encore vivante. Et donc Hellboy vise le crâne translucide qu'il avait vu apparaître un petit peu plus tôt, et donc ce crâne se situait au niveau du cou. Donc il frappe à cet endroit-là, ça fait comme du verre brisé, la bestiole s'écroule sur place, morte, canée, décédée. Fin de l'histoire, et petite note humoristique histoire de terminer ça vraiment en beauté sur une excellente note. Donc la dernière page, on voit Abe Sapien tenir comme il peut avec le peu de force qui lui reste en s'appuyant sur sa hache. On voit Hellboy apparaître. Hey Abe, Abe Sapien qui se retourne, qui fait hey. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Et il lui fait, ah voilà, il lui explique, voilà, c'est le shérif machin, il a besoin de médicaments, tout ça, blablabla, blablabla, trois petits points. Et donc là on voit les deux dernières cases, Hellboy Salvatore. Et Hellboy qui dit à Salvatore, t'as vu? Je te l'avais dit. La fin. Je te l'avais dit, Hellboy a pas besoin de nous. Enfin, Abe Sapien a pas besoin de nous, j'arrête pas de les confondre, c'est dramatique. Il y en a un qui est rouge, il y en a un qui est vert. Abe a pas besoin de nous, mec, je te l'avais dit. Et ça se termine là-dessus, comme ça a commencé. Donc, voilà. Ce que je disais dans le premier numéro, c'est que si le deuxième numéro est aussi bon que le premier, on aura la meilleure mini-série dédiée à Abe, et ben on l'a. Supérieur à la noyade qui comptait 5 numéros, dessiné par un excellent mais un magnifique dessinateur, illustrateur plutôt, Jason Sean Alexander, et ben on a sur deux numéros, James Aren a fait plus puissant et plus prenant que la noyade avec The Devil Does Not Jest. Donc si vous avez l'occasion, sincèrement, foncez dessus, 3,50€ x 2, ça fait 7€ pour deux numéros, puis comme ça vous pourrez dire, hey, j'ai deux numéros en VO, c'est la classe. Foncez, 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 parce que ça sortira pas en français avant minimum l'année prochaine. Et également, je tenais à préciser, dans le même numéro, si jamais vous l'achetez, et ben vous pourrez vous faire plaisir en découpant cette page-là, une pub en espagnol pour The House of the Living Dead,
Le graphic novel qui sortira donc le 9 novembre au format hardcover et qui reprendra, je le rappelle, Hellboy in Mexico ainsi que sa suite, donc House of the Living Dead. Donc regardez, dessiné par Richard Corben. Ça peut faire super stylé, vous découpez la page, vous la mettez dans un cadre. Lucha Libre, Hellboy, El Rey de los Monstruos. Ça, franchement, ça le fait à mort. Avec les couleurs super, super flashy, super kitsch. C'est excellent. Donc vous achetez ce numéro, vous faites plaisir, vous découpez la dernière page dans un cadre, vous foutez ça sur un mur. C'est la classe. Vous invitez des gens et tout en soirée, ils n'en parleront que de votre cadre. Garantie, garantie. Bon, c'était tout pour ce Ape Sapiens The Devil Does Not Jest numéro 2, en espérant que vous ne soyez pas trop ennuyés en regardant cette vidéo, et en vous remerciant du coup de l'avoir regardé. Je vous dis donc ciao tout le monde, prenez soin de vous, et à très bientôt, à la prochaine sur le blog et sur YouTube. Restez connectés, ciao ciao, salut tout le monde.